Un siège pour le PDCI RDA à Kwasi Kwasikro. Les militants du PDCI RDA de cette localité pourront bientôt tenir leur réunion et toutes leurs activités politiques dans un cadre propice. La pose de la première pierre de cet édifice a été effectuée le dimanche 30 juin 2024 à Kwasi Kwasikro en présence des personnalités politiques du PDCI RDA, des cadres de Kwasi Kwasikro, des chefs traditionnels et de nombreux militants de la région d'Unzi. Le futur siège du parti est un don du maire Kwaku Joseph, maire de Kwasi Kwasikro, qui démontre ainsi son attachement au PDCI RDA qu'il souhaite voir rayonner dans la localité. L'édifice sera bâti sur un terrain d'une superficie de 1200 m². Ouvrant les allocutions, René Kwasi, dit Djévier, président du comité d'organisation, a salué la mobilisation de tous et situé le cadre de la cérémonie. Les secrétaires généraux de section l'armée du PDCI RDA sur le terrain, soulagés de bientôt tenir leurs activités politiques dans un cadre dédié à cet effet, ont exprimé par la voix de Apollinaire Yao leur gratitude au maire Joseph Kwaku, tout en lui réitérant leur engagement à se mettre résolument au service du parti. Nous avons résolution sous la houlette du délégué communal, monsieur le maire Kwaku Joseph, de bâtir une maison pour abriter nos réunions militantes. C'est une première et pour marquer l'événement, nous avons sollicité votre parrainage. Monsieur le Président, sans hésitation, vous avez accepté. Et cette cérémonie marque à nos populations un départ à nouveau pour le PDCI dans notre département. C'est une joie partagée par toute cette population militante. Monsieur le Président, nous, cadres et acteurs politiques du PDCI RDA à Kwasi Kwasikro, unis, nous vous disons à quoi va chez vous. Nous nous mettons à votre disposition. Le maire Joseph Kwaku, cadre de Kwasi Kwasikro, généreux donateur, a traduit sa disponibilité à œuvrer au rayonnement du PDCI RDA dans sa localité pour la victoire du président Tidjane Thiam à la présidentielle de 2025. Une victoire qui passe par l'inscription massive des militants sur la liste électorale, a-t-il insisté. Ce siège dont nous posons la première pierre aujourd'hui se veut un symbole fort de notre foi militante à l'avenir et à la vision du président Tidjane Thiam, qui est venu pour redonner de l'espoir aux Ivoiriens confrontés aux problèmes de la cherté de la vie. Ce siège se veut aussi un symbole fort de l'implantation du PDCI RDA dans le département de Kwasi Kwasikro. Enfin, il représente pour nous le chemin parcouru depuis le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, en passant par Aimé Henri Conan-Bédier jusqu'au président Tidjane Thiam. Mesdames et messieurs, doter la délégation communale du PDCI RDA de Kwasi Kwasikro d'une infrastructure de qualité en vue de lui permettre de mieux répondre aux attentes de ses militants a toujours été notre préoccupation majeure. Nous avons compris combien nos militants avaient besoin de ce patrimoine. Avec le président Tidjane Thiam, ce rêve est devenu réalité. C'est pourquoi, à ce stade de mon intervention, permettez-moi d'adresser solennellement mes remerciements les plus sincères au président du PDCI RDA qui a accepté notre invitation pour la pose de la première pierre de la maison du parti dans notre commune. Aussi, voudrais-je lui exprimer toute mon infinie gratitude pour l'insigne honneur qu'il nous a fait en dépêchant à cet effet une délégation de la direction du PDCI à Kwasi Kwasikro. À travers mon humble petite voix, c'est tous les militants qui vous remercient. Vous et tous les membres de la délégation, nous vous prions de transmettre à monsieur le président Tidjane Thiam nos vifs remerciements et le rassurer que toute la population de Kwasi Kwasikro est mobilisée derrière lui pour une brillante victoire aux élections présidentielles de 2025. De ce fait, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas d'espèce d'essence
qui sont priés de prendre attache avec la mairie pour que nous puissions les accompagner afin d'établir leur espèce naissance. Joseph Kouakou a ensuite témoigné sa gratitude à son aîné, le vice-président Yao Kofi Jean-Paul, pour son leadership au bénéfice des militants de Kwasi Kwasikro. Je voudrais, de façon personnelle, rendre un hommage mérité à notre député, à notre aîné. Ce grand homme a su garder le temps PLCI après la disparition de ceux qui étaient ses aînés, enfin, chacun a ses aînés. Il a maintenu le climat de cohésion, il a maintenu le climat de paix pour que le PLC ne disparaisse pas à Kwasi Kwasikro. Je voudrais que tous nous applaudissions pour lui rendre hommage. Prenons la parole, l'honorable Yao Kofi Jean-Paul, en langue vernaculaire, a invité les militants et militantes à se mobiliser autour du président Tidjane Thiam pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Le vice-président du PDCI-RDA a ensuite exhorté ses parents à demeurer fidèles au PDCI-RDA, car la circonscription de Kwasi Kwasikro reste le bastion imprenable du PDCI-RDA. L'honorable Akoto Olivier, député de Daoukro, a fait la lecture du document décerné par la direction du PDCI-RDA autorisant la construction de cette bâtisse. Yoboué Kwame Pascal, haut représentant du président du PDCI-RDA dans le district des Lacs, a au nom du président Tidjane Thiam remercié le généreux donateur et le félicité pour l'acte militant qui démontre le dynamisme des cadres PDCI-RDA de Kwasi Kwasikro. Pour faire large écho au message du président Tidjane Thiam, le haut représentant du président du PDCI-RDA, Yoboué Kwame Pascal, a invité les militants et militantes de la dite circonscription à se faire établir les documents administratifs pour les élections à venir avant de mettre en mission les cadres pour la quête de nouveaux adhérents. Il me plaît avant tout de vous adresser les salutations du président Tidjane Thiam. Il m'a chargé en venant ici de vous dire qu'il vous salue, qu'il vous aime, qu'il vous félicite pour le PDCI et qu'il vous félicite pour la pose de la première pierre de la maison du PDCI. Le président Thiam dit, non, pas de fusil, et nous n'aimons pas les fusils. Non, pas de machettes, et nous n'aimons pas les machettes. Nous avons une seule arme, le bulletin de vote. C'est pourquoi chacun doit faire tout pour avoir son bulletin de vote. Mais pour avoir son bulletin de vote, il faut avoir l'extrait de naissance, il faut avoir le certificat de nationalité, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Pour que cela soit, nous devons aider nos frères et sœurs pour avoir les papiers, pour avoir l'extrait de naissance, pour avoir le certificat de nationalité, la carte d'identité, et aller voter. Tous ensemble, allons faire cela. Et ensuite, la main dans la main, aidons-nous pour trouver les papiers. Aidons-nous pour trouver les papiers. Cela m'amène à m'adresser particulièrement aux cadres. Nous avons nos parents, nous avons un devoir de redevabilité. Ils nous ont mis à l'école, c'est pour qu'on puisse les aider. Les aider comment ? C'est arrivé. C'est au moins les aider pour qu'ils aient les papiers. Aider nos frères et sœurs pour qu'ils aient les papiers. Aider les nouveaux électeurs à s'inscrire sur la liste. Messieurs les délégués, nous nous sommes réunis et nous avons dit qu'il faut des cahiers pour qu'on puisse recenser tous ceux qui n'ont pas de papiers et rechercher les voies et moyens pour leur donner les papiers. Vous avez ces éléments-là, faites cela. Après la pose de la première pierre, le haut représentant a prôné l'union et la cohésion entre les militants de Kwasi Kwasikro. La pose de la première pierre est un moment extrêmement important pour le PDCI ici à Kwasi Kwasikro. Cette pose de première pierre montre le dynamisme du parti dans cette région et augure aussi de lendemain meilleur
parce que là où les hommes se réunissent, ils communient ensemble, ils dialoguent, ils s'entendent pour aller à la conquête de quelque chose. Et c'est le sens de cette pause de première pierre de la maison de PDCI. Vivement que rapidement cette maison soit bâtie pour que les gens se retrouvent, les PDCI se retrouvent, les militants se retrouvent pour communier ensemble. Nous avons foi dans Kwasi Kwasi Kro. La mobilisation que nous avons vue est pour moi exceptionnelle. Cela traduit qu'effectivement ici, à Kwasi Kwasi Kro, le PDCI est vivace et le PDCI va aller de l'avant avec cette maison. Je profite de l'occasion pour féliciter tous les initiateurs, le vice-président Jean-Paul, le maire Joseph et tous les cadres du PDCI qui m'ont accompagné ici pour témoigner de la vivacité du PDCI RDA ici à Kwasi Kwasi Kro. J'exhorte mes frères, les délégués de Kwasi Kwasi Kro à s'entendre, à continuer cette union-là pour que ça fasse tache d'huile dans tout le Nzi, dans tout le district, pour le bien du PDCI RDA, pour le bien des populations, pour le bien de la Côte d'Ivoire. Une motion de soutien des militants de Kwasi Kwasi Kro au président Tidjane Thiam a été lue par Eric Ayoboué de la JPDCI. La cérémonie s'est achevée sur une série de dons. C'est donc impatiemment que les militants attendent l'inauguration de leur futur siège. C'est une très bonne chose. C'est la toute première fois que nous apprenons que notre président actuel, le président Thiam, a accepté qu'on pose la première pierre du PDCI. Cette grande maison que nos aïeux ont bâtie. Nous sommes tous heureux. Tout Kwasi Kwasi Kro est heureux de recevoir cette bonne nouvelle-là. Donc il faut que tous nos parents aient leur papier pour ne pas que cette fois-ci, la présidentielle-là, nous échappe. Une très belle cérémonie. Une maison du parti, c'est toujours l'idéal. La grandeur du parti, ça permet, n'est-ce pas, de porter le message du parti, de se voir constamment au niveau des militants. Et donc, il faut saluer une telle initiative. Nous disons merci à nos délégués ici à Kwasi Kwasi. Je voudrais ici traduire mon infinie gratitude à M. le haut représentant et sa délégation. Je voudrais également profiter de votre micro pour exprimer également ma profonde gratitude à l'honorable Yao Kofi Jean-Paul ainsi qu'au maire délégué de Kwasi Kwasi Kro commune, initiateur du projet de la construction de la maison du parti. Il faut dire qu'il y a longtemps que les militants attendent avec impatience cette œuvre, la mise en terre de leur maison de parti. Il a plu au bon Dieu de nous accorder la magistrature de la mairie. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que le maire, joignant l'acte à la parole, invite le haut représentant à poser la première pierre de cette maison du parti. Il faut dire que les populations l'expriment depuis 5 ans et aujourd'hui, c'est une œuvre parfaite.